Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce let's play intégral de Mitsurugi Kamui Hikae. Pour faire très rapidement, c'est un peu le Horse Racing Challenge 2016 version beat 'em all. Il y a quelques trucs sympas, il y a quelques trucs intéressants, mais c'est plutôt nul. C'est vraiment nul de chez nous. Et entre une petite bougie qui fait du platformer et une lycéenne avec un katana assez sexy, swag et assez intéressante visuellement parlant, avec beaucoup de sexe à pile, bah le choix était vite fait. J'ai pris Kamui, voilà. Ça donne envie quand même, regarde. Au niveau look et esthétique, elle est très très cool. Après, le jeu est pourri, mais pousse des cris intéressants et du coup, ça rééquilibre la balance sur le côté sympa. Il y a une furie de plus grosse base qui est ça, et après on fait voilà. Et la seule carotte qui te fait continuer le jeu, c'est que le personnage est extrêmement plaisant à regarder à la vue. En fait, il est extrêmement plaisant à regarder. C'est tout. C'est le seul intérêt de ce jeu. Après, ça va être un peu mieux. Il va y avoir des robots et tout ça. Alors évidemment, les robots saignent dans cet univers. Le level design juste ouf. Ah ouais, non, mais le level design est tellement travaillé. Tu m'étonnes. Et quand tu meurs, il pousse un petit cri. En fait, ce qui est bien, c'est quand tu meurs, il pousse un petit cri extrêmement sympathique qui te donne envie de la voir remourir. Et de ce côté-là, en fait, le game over n'est pas punitif puisque t'es content de l'avoir, le game over. Ce qui est dingue, c'est que le jeu, il est tout petit, mais il arrive à avoir des problèmes de caméra. Tu sais pas comment il arrive à se démerder, mais il arrive à le faire. Ce petit cri me rappelle de bon vieux hentai. Ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, n'empêche. Malgré qu'il soit nul, il vaut même pas ses 6€. On passe un bon petit moment dessus si on apprécie la chose, quoi. Mais elle est trop trop classe. Elle est vraiment classe. L'héroïne est vraiment classe. C'est dommage qu'elle se retrouve dans un jeu pas terrible. Parce que j'aimerais bien la revoir dans un Dead or Alive ou vraiment dans un autre jeu, quoi. Un Ninja Gaiden à la limite. BAM! Y'a même pas de jingle pour le clear, ou quelque chose, y'a rien, c'est la tristesse absolue, les enchaînements de niveau. De contre, faut appuyer sur B pile au bon moment. Raté, on va essayer. Yes! Voilà. Mais alors, la fenêtre de tir, elle est tellement rikiki. Mais regardez, même au niveau des détails, j'adore ces cheveux, j'adore ce couteau. Voilà, la langue est en 3D volumétrique, elle est extrêmement bien travaillée, il y a une bonne tessiture. Elle est super sympa, super sympa. Tu joues sur PS2? Xbox One S, PS4 Pro, Boost Mode. Non! Salope! Salope! Je suis totalement à côté du hit. Voilà, là je l'ai bien enchaîné. Ça c'est un bon enchaînement de furie. Oh comment je t'ai esquivé. Oh bordel. Ah, c'est abusé que je sois derrière et que je me fasse quand même toucher. Non. Non, je vais pas me faire mourir maintenant là. Oh non. Mais c'est abusé. C'est abusé. Le jeu il cheat. Le jeu il cheat. Non, le jeu il cheat, bordel de merde. Fais chier. Le jeu il cheat. Oh putain, mais non, j'ai les boules. J'ai les boules. Là j'ai vraiment les boules, les crottes de nez qui pendent. J'ai perdu tout ce temps pour rien. Voilà, je suis désolé d'avoir perdu 5-6 minutes là-dessus. Bonivalou, c'était Mitsurugi Kamui Hikae. N'achetez pas ce jeu.